Il y a de la place pour tous dans la maison de Dieu. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. As-tu déjà pensé, est-ce que Dieu veut bien de moi? J'ai fait trop de choses mauvaises pour que Dieu puisse m'accepter? Peut-être que Dieu ne veut pas de moi dans sa maison? Écoute ce que le psalmiste dit dans le psaume 84 au verset 4. Le passereau même a trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour elle où elle pose ses petits, tes autels, Seigneur Sabaoth, mon roi et mon Dieu. Le pèlerin est arrivé dans le temple et dans le temple, il voit même des oiseaux qui ont fait leur nid. C'est le signe que Dieu accueille tous dans sa maison. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, Dieu t'aime personnellement. Il t'aime sans condition. Ce ne sont pas tes péchés qui l'empêchent de t'aimer. Tes péchés t'empêchent de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous confessons nos péchés, nous venons à lui avec un cœur repenti. Et lui qui est fidèle et juste, lorsque nous confessons nos péchés, il nous pardonne tous nos péchés. Et donc, viens à lui avec confiance, dépose tes fautes aux pieds du Seigneur et accueille son invitation. Viens à la maison du Seigneur, n'aie pas peur, lui t'aime sans condition. Dieu t'aime sans condition.